Just before we start, because I won't switch from English to French because our translators are going to go crazy. But just before we start, I first of all, I want to welcome you wholeheartedly in Montreal. We're celebrating our 375th anniversary, as you know. And, well, if you have time at night to take a little walk after this schedule that you have, you will see in the old Montreal our history in action. So I welcome you to do so. And being the head of the number one hospitality tourism school in Canada, and working with a lot of your school all over, either should they be in Europe or in the United States, I welcome you individually or in groups to come and see us. We have hotels, we have rooms, we have nice restaurants, but it's all managed by students, and they're fantastic. And I'm saying that because we're going to start, and I'm going to try, John, not to say too many platitudes, but we're going to start and our little entretien, but I will tell you that I know what you're doing on the educational field. All orchestras are really committed to do so, and since we're educational too, so we would be very honored to have you eventually. Now, this said, we are going to question and answer, so we are going to start this entretien, and you, Ray, inspired me also, so I'm going to pick up from the question and try to see what's the challenge of the future, because the challenge of numerization is a challenge of all of us. So let's start. Merci, Madame Frula. Bonjour à tous et bienvenue à Montréal. Je suis Caroline Rogers, journaliste, et c'est vraiment un honneur pour moi de m'entretenir avec Madame Lisa Frula. Alors, on va commencer ma première question. Nous sommes tous curieux de savoir qu'est-ce qui, vous, dans votre vie, dans votre parcours, vous a amené à aimer les arts, à vous intéresser à la culture et à la musique? Je pense que cet intérêt aux arts et surtout à la musique s'implante très jeune. La graine s'implante très jeune. Et moi, je suis italienne. Mes grands-parents sont arrivés d'Italie. Et mon père était un homme qui adorait la musique. Bah, il y avait un band italien, ce n'est rien de classique, mais c'était un homme qui aimait, qui aurait voulu être musicien. Alors, donc, on commence là. Alors, il était évident que mon frère et moi fassent des cours de musique. Alors, j'ai pris des cours de piano. Mon frère est un musicien professionnel, mais qui a fait tout son cours à Vincent Dindy, qui a fait tout son cours en musique. Donc, on a été élevés avec la musique. Mais ce qui, je dois vous dire, ce qui nous a donné la piqûre de la musique, c'est jeune, alors que lorsqu'on était tout simplement au collège, les enseignants, les religieux, nous amenaient voir et entendre les matinées musicales données par l'Orchestre symphonique de Montréal. Et je me souviens très bien, and it's a long time ago, je me souviens très bien de Pierre et le Loup. Alors qu'on nous expliquait l'histoire, on nous expliquait le rôle de chacun des instruments, et ensuite, ben, évidemment, on assistait au concert live. Et c'est ce qui, encore aujourd'hui, là, c'est ce qui me revient lorsqu'on me demande la question. Et de là l'importance de cette action éducative que vous faites tous par vos orchestres, cette accessibilité au public. Justement, c'est important, vous le soulignez, d'avoir que tous puissent avoir accès à la musique dès le plus jeune âge, pour pouvoir créer le public du futur, finalement. Non, tout à fait. Je pense que c'est la clé, parce que c'est ce qui donne ce goût, au moins. Et
De toute façon, surtout aujourd'hui, avec les, ce que j'appelle les bruits ambiants, tout simplement, à partir du plus jeune âge, de se former l'oreille au beau. Et puis, quel qu'il soit, là, mais au beau, c'est pour moi d'une importance primordiale. Donc, cette ouverture, ce vouloir d'aller tendre la main vers d'abord un jeune public, en commençant donc par l'accès aux écoles, pour moi, c'est de prime importance. Merci. Mais plus tard, est-ce que vous avez d'autres souvenirs? J'ai le souvenir aussi. C'est toujours l'enfance. Hein, là, j'ai le souvenir aussi de mon père lorsque je pratiquais mon piano. Mon père était assis à côté de moi, comme il l'a fait pendant des années avec mon frère. Parce que c'était un homme qui était complètement... Il n'a pas eu la chance de le faire. Il fallait gagner la vie de la famille. Et finalement, il s'est occupé du commerce familial. Mais ça a été sa grande peine. Puis cette peine-là, il nous l'a transmise, mais de façon positive, en s'assurant que nous ayons chacun une base musicale. Moi, je n'ai pas été musicien. Mon frère a continué en musique, pas moi. Mais quand même. On s'habitue à cette beauté musicale. Alors, vous ne jouez plus de piano? Malheureusement, c'est une question de pratique. Hein. Alors, j'ai mes bases, mais non, malheureusement, je ne joue plus de piano. Non. D'accord. Mais nous parlions tout à l'heure, je sais que vous aimez aller à des concerts, par exemple. Oh, oui, pour aller à des concerts. Vous savez, je vous écoutais, puis j'écoutais le challenge que vous avez aujourd'hui. On va se reporter un peu plus tard quand j'étais en politique. On va sauter quelques années. J'ai été ministre au niveau provincial. Pour ceux qui ne connaissent pas notre système politique, alors chaque province a évidemment son gouvernement, donc son conseil des ministres. Ici au Québec, à cause de notre spécificité culturelle, à cause de notre spécificité linguistique, le ministère de la Culture est un ministère extrêmement important. C'est un ministère de vigilance pour s'assurer qu'on protège cette culture que l'on chérit, francophone aussi, que l'on chérit, qu'on chérit tous particulièrement. Donc, quand je suis devenue ministre de la Culture, j'ai eu à faire face. Puis là, on parle des années 90. Hein. Donc, de 1989 à 1996, j'ai eu à faire face à écrire une politique culturelle, d'abord la première du Québec, et aussi à faire face à certains défis qui vous faisaient face. Question. Quand on faisait la politique culturelle, que les gouvernements, ou enfin, que les collègues demandaient, est-ce qu'on a besoin autant d'orchestres au Québec? Il y a 11 orchestres au Québec. Ce n'est pas des orchestres symphoniques, mais il y a 11 orchestres au Québec, un peu partout dans les régions. Alors, la question, c'était, mais tant qu'à financer puis de répartir l'argent sur 11, on pourrait quand même garder l'ensemble et d'en donner, par exemple, aux orchestres qui sont symphoniques, aux grands orchestres, donc l'Orchestre de Québec et l'Orchestre de Montréal. Là-dessus, je me suis toujours objectée. Premièrement, parce que ce soit les orchestres des conservatoires, que ce soit les orchestres, l'Orchestre de Longueuil, par exemple, les orchestres de différentes tailles, il était important pour moi, et ce n'était pas du saupoudrage, mais il était important pour moi que cet accès à la musique soit disponible quel que soit sur le grand territoire. C'est sûr que le Québec, c'est un immense territoire, pas toujours peuplé également, et c'est un défi. C'est un défi constant pour nous. Excepté qu'il est important que cet accès-là soit disponible à tous. C'est une question de justice sociale. C'était ma réponse. Deuxième questionnement, c'est bon. Alors, une fois qu'on accepte ça, comment on fait pour financer? That's the name of the game. Comment on fait pour financer? Alors, veut, veut pas, le
financement demande une implication, d'abord, demande une, je dirais, une implication sociale, mais une croyance aussi profonde que tout part, notre essence culturelle même, part de cette volonté de soutenir les arts, quels qu'ils soient. Donc, soutenir les arts dit aussi soutenir la musique et encore une fois, soutenir Axel la musique. Et c'est ce qui m'a guidée tout au long de cette politique culturelle que nous avons bâtie. Après, au fédéral, puis là, je vais vous rejoindre, je vais vous rejoindre parce que dans le défi actuellement de normalisation globale, la globalité, que ce soit, entre autres, parce qu'à l'époque, en 92, on n'a pas vu venir le numérique. Il n'existait pas, là. On n'a pas vu venir le numérique. Mais dans cette globalisation, nous avons, le Canada a été le premier pays, et j'en suis, je l'ai négocié, le premier pays à signer la Convention sur la diversité culturelle à l'UNESCO. Cette convention sur la diversité culturelle, c'était le principe même, c'était de pouvoir faire en sorte que les pays ne soient pas menacés par les traités internationaux commerciaux et que chacun des pays puisse partager leur culture également. Pourquoi? Parce que c'est une richesse mondiale collective. Et alors qu'aujourd'hui, le Canada a signé la Convention passée en 2005. Il y a 142 pays qui se sont joints à la Convention, qui ont signé la Convention. Ils sont rendus à 149 pays aujourd'hui. Et le Canada, c'est un objectif que je m'étais donné, était le premier pays à signer pour protéger la culture. Les États-Unis ne l'ont pas signé. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans cette négociation qui s'ouvre actuellement, lorsqu'on veut faire réouvrir les traités à partir de notre voisin du Sud, d'une part, ce qui m'inquiète, c'est qu'on remette cette convention sur la table. Et ça vous affecte tous, hein? Parce que ce n'est pas parce que c'est de la musique et que ce n'est pas du parler, ce n'est pas... Ça affecte tout le monde. Parce que si on ne peut pas, chacun, faire partager notre musique et notre culture ensemble, pays à pays, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Si ce n'est qu'une globalisation et une normalisation est aujourd'hui soutenue par le numérique. On a des participants de plusieurs pays aujourd'hui qui sont avec nous. Et dans le contexte de ce que vous venez de dire, croyez-vous, parce que c'est la situation différente d'un pays à l'autre, par exemple pour le financement des arts et de la culture, je pense que vous avez été une grande défenseur de que les fonds publics soutiennent la culture. Bien, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est sûr qu'on peut laisser aller le libre marché. Dépendant de la grosseur et du pays même. Si on se compare aux États-Unis, nous au Canada, ils sont 380 millions, on est 38 millions. Alors, c'est évident qu'à 38 millions, on ne peut pas s'imaginer que certains domaines, dont le domaine culturel, puissent se auto-générer assez de financement là, soi-même. Il faut avoir une base culturelle. Maintenant, on réduit ça et on amène ça au Québec. Au Québec, dans un territoire aussi grand, on est passablement à peu près 7,5 millions. Alors, on ne peut pas penser avoir une vie culturelle forte si le gouvernement ne met pas et ne finance pas chacun des secteurs culturels. C'est impensable. C'est impensable. Maintenant, le gouvernement, c'est aussi les individus. Le gouvernement répond à sa population. Alors, je reviens à la base de notre entretien. L'éducation. L'éducation. Alors, si jeunes, on soutient
C'est-à-dire que si jeune, on s'aperçoit, on voit, on a accès à la culture, on a accès à la musique, on a accès aux arts visuels, on a accès au théâtre. Si jeune, il est évident que rendu adulte, on ne pourra plus s'en passer. Alors, pour moi, tout commence par l'éducation. C'est une roue qui tourne. Hein? Seulement que c'est une roue qui tourne, mais ce sont les jeunes d'aujourd'hui. On le voit, là, le baby boomers are gone, the other ones are coming. On s'aperçoit que les jeunes d'aujourd'hui vont prendre notre place. C'est évident, c'est ce qu'on veut aussi. Alors, il faut absolument que les jeunes aient ce réflexe culturel. C'est ce que j'appelle, ce n'est même pas une éducation culturelle. Rendu là, c'est un réflexe culturel pour que ça aille de soi, que la culture se doit d'être soutenue publiquement. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis comme vous, là, inquiète par le numérique. Parce que je vais vous dire une chose, quand j'étais au fédéral, hein, donc mes années au provincial, ce sont les années 80-90. Les années au fédéral, là déjà, ce sont les années 2000, de 2002 à 2006, ce sont les années où là, le numérique a vraiment pris forme. Puis aujourd'hui, ben là, c'est un déploiement à une vitesse exponentielle. Mais déjà, dans les années 2000, on disait, ben oui, mais dans le fond, notre outil numérique, c'est-à-dire, à l'époque même, on ne parlait même pas de streaming, mais notre CD, par exemple, donne une qualité de son extraordinaire. Alors, pourquoi se déplacer puis aller voir un concert en personne? La musique live, comme on dit, c'est vraiment important. D'ailleurs, à Montréal, on a une vie musicale très, très riche. Et vous travaillez maintenant à l'Institut de tourisme et je pense que ce sont des atouts qu'on a d'avoir des grands orchestres symphoniques et du théâtre, des spectacles. C'est parce qu'il faut absolument redonner, puis je pense que ça s'en vient, je vais laisser quand même une note d'espoir, parce qu'il faut absolument que les gens réalisent que ce que l'on entend en streaming, c'est superbe, ça enjolive notre vie à tous les jours. C'est facile, cet accès. Mais il n'y a rien qui va battre une expérience. Absolument. Une expérience humaine, une expérience, un contact direct. Il n'y a rien qui bat ça. Ça me fait penser à Facebook, quand nos jeunes nous disent, « Ah, nous autres, on a 1000 amis. Ah ouais? Demain matin, vous déménagez. Demain matin, vous avez besoin de quelqu'un. Allez demander à vos 1000 amis, voir qui va venir vous aider. » Alors, tu sais, c'est facile de façon complètement empirique de dire, bon, on a nos amis, c'est un concept dans le fond. Alors, c'est la même chose. Ton ami, ton vrai ami, tu y touches. Ton expérience culturelle, ben, il faut que ce soit une expérience vivante. Il faut que ce soit une expérience vivante. Ça porte beaucoup à Montréal d'avoir justement cette vie pour les citoyens, mais également pour nos visiteurs. Et pour nos visiteurs, moi, je vais vous dire une chose. J'ai eu, évidemment, au gouvernement, on a eu à travailler là, collectivement avec les autres collègues politiciens, les autres collègues de d'autres secteurs. Mais moi, je me suis vue aussi être obligée, avec plaisir, de bâtir une salle de spectacle, orchestre, loin, dans le nord complètement du Québec, à Baie-Comeau, dans le nord du Québec, alors qu'une aluminerie voulait s'implanter. Tout ça pour vous dire que même la grande industrie, quand ils arrivent pour dire on s'implante en quelque part, ça prend une vie. Ça prend une vie culturelle. Il faut, pour avoir ne serait-ce que les dirigeants et les employés... Qu'ils aient le goût de vivre à cet endroit. Le goût de vivre à cet endroit-là. Alors, on me demandait spécifiquement de m'assurer, de moderniser bibliothèque, salle de spectacle, soutenir aussi certains festivals, certains événements culturels, tout simplement... pour pouvoir attirer d'une main-d'œuvre compétente. Donc, c'est un écosystème, et dans l'écosystème, il est évident que chacun a sa part, mais que la culture a sa grande part.
Et on a parlé déjà du numérique, des enjeux numériques, YouTube et tous les droits, les redevances. C'est un des thèmes de cette conférence, qui a plusieurs thèmes aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous interpellent et que vous aimeriez commenter avant la fin de notre entretien, d'autres thèmes qui vont être discutés? Bien, moi, je pense que j'ai vu et j'ai survolé votre programme. Et je pense sincèrement que toute la question des... c'est sûr, toute la question des droits d'auteur à l'ère du numérique, toute la question des redevances aussi à l'ère du numérique. Il est totalement anormal que, exemple ici, Netflix, je parle de Netflix, mais je peux parler de n'importe quel autre. Il y a beaucoup d'exemples là, d'exemples du même genre, là, qui s'implantent ici et qui ne redonnent rien. Qui ne redonnent rien. Avec l'appui du consommateur. Tu sais, le consommateur, lui, est content. Il va payer, recevoir ses choses. Bon, il a accès à toutes choses. Mais il faut comprendre que ces grandes sociétés-là ne redonnent rien. Ne redonnent rien dans un fonds. Que ce soit un fonds de production, un fonds de soutien à la musique individuellement dans chacune des, dans chacun des pays. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Mais pour moi, ça, c'est un très, très grand challenge parce que, encore une fois, le consommateur, la population doit être derrière nous, doit être aussi sensible à ça. Il est anormal que ces grandes sociétés s'implantent sans redonner. Totalement inacceptable et anormal. Merci beaucoup. C'est passionnant de vous écouter. Madame Frouland, on aurait pu continuer. Vous avez parlé d'enjeux qui sont très importants pour tous les délégués qui sont ici aujourd'hui. Et je suis certaine qu'ils vont avoir des discussions et que vous allez les avoir inspirés. Alors, merci pour cet entretien. Well, thank you very much. And again, we're very, very happy to have you here. And I really want to reassess the fact that all of you are so important to our life. And I really mean it from the bottom of my heart. Merci beaucoup. Merci à tous.